Ce lundi 29 mars, Cyril Hanouna revenait sur le Caloana après avoir reçu de nouvelles révélations préoccupantes au sujet de la pionnière de la télé-réalité française. La belle blonde aurait en effet été retrouvée dans un état très inquiétant il y a quelques jours dans un appartement parisien, loué via Airbnb. Et c'est le propriétaire de ce même bien qui lui aurait sauvé la vie, comme il l'a fait savoir dans TPMP. Vendredi, je me suis permis d'aller voir. J'entendais le chien aboyer mais elle n'ouvrait pas, a commencé par raconter Laurent. Et de poursuivre, je me suis permis d'ouvrir et je l'ai trouvé allongé sur le canapé lit, la bouche ouverte, dénudée presque. J'ai vu qu'elle respirait alors j'ai appelé les pompiers, ils sont arrivés très vite. Si ce dernier a précisé à l'antenne et en direct, n'avoir trouvé aucune drogue, beaucoup de boîtes de médicaments mais aucune drogue dans l'appartement. Il a toutefois constaté que son appartement était devenu une véritable porcherie, où règne encore l'odeur de l'urine. Laurent réclame aujourd'hui un dédommagement suite au fait qu'il ne puisse plus remettre son bien en location. Eryl Preyer, le meilleur ami de Loana, également invité sur TPMP, lui, est resté très silencieux pendant ses révélations. À voir également, Mathieu Chédid inconsolable, le chanteur confronté à une nouvelle disparition dans son clan le plus proche. La rédaction à lire aussi Les Blocs ADS. Why ?